Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Anti-Gang de Benjamin Rocher. L'histoire, c'est celle de Buren et Cartier, deux flics qui sont à la tête de l'escouade Anti-Gang de la police parisienne, qui sont de la vieille école, qui sont du genre à sortir les battes de baseball et les M16 pour aller débusquer les brigands, qui vont devoir faire face à un groupe de braqueurs de banques, qui sont en train de piller toutes les banques de la capitale. C'est tout! Pas besoin de faire des histoires compliquées. Eh oui, pas besoin de faire des histoires compliquées, surtout quand le cinéma français en manque d'histoires simples dans ce genre-là. Parce que le cinéma, on va dire, de flics, ou en tout cas les polars à la française, généralement sont des polars très noirs, depuis que Olivier Marchal, avec 36 Quai des Orfèvres, a placé la barre en disant « Maintenant, il faut que le polar, ça soit ultra réaliste, il faut que ça soit glauque, et il faut que ça soit profondément réflexif sur l'être humain. » Et ben Benjamin Rocher, il s'en branle de tout ça, littéralement. Et il nous livre un polar complètement décomplexé et fun, et qui fait du bien, tout simplement. Parce que, oui, là où on attend un polar qui sera forcément ou ceci ou cela, Rocher s'amuse à tout combiner. C'est-à-dire, il prend des références américaines pour les placer dans un contexte français et pour ancrer son film dans un cinéma français. Et rien que ça, ça donne envie de supporter ce genre de projet et de dire « oui ». On veut ça, on en veut des films comme ça, on en veut des films qui se prennent pas au sérieux, mais qui sont ancrés dans un genre qui est sérieux à la base. Ça marche, c'est fun, on se marre, et c'est cool, tout simplement. C'est vraiment cool. Le scénario est signé par François Loubert et Tristan Schulman. Le scénario, bon, autant aborder le vrai point compliqué et, on va dire, maladroit du film. Il est très court, le film, et donc, le scénario passe par des facilités dramatiques qui sont assez évidentes et qui posent un petit peu problème, dans le sens où le film raconte l'histoire d'un groupe d'assaut de l'escouade anti-gang qui va choper un groupe de braqueurs. Voilà. Et toutes les histoires reliées au passé des différents personnages, ben on sent que ou bien elles sont mises de côté parce que ça serait trop long à mettre en place, ou bien qu'on s'en fout. Et c'est un petit peu dommage parce que, par exemple, Buren a énormément de choses à raconter sur son passé. Il suffit de voir le lien qu'il a avec le méchant principal. Et bien, c'est jamais vraiment développé et pourtant, on aimerait en voir plus. On aimerait savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans cette relation entre ces deux mecs, qu'est-ce qui s'est passé réellement. On n'a pas assez ça et c'est un petit peu dommage. Tout comme, voilà, on sent qu'il y a des portraits de personnages qui sont pas assez découpés de manière intelligente. La relation entre Buren et Margot, voilà, elle est, on va dire, affinée, mais elle n'est pas étoffée. On sent qu'il manque des choses, on sent qu'il manque des traits de caractère qui auraient dû être découpés encore plus dans ces personnages-là. Et même si, voilà, il y a des aspects comiques qui sont ressortis, le fait que Margot soit la femme du patron de Buren, voilà, c'est un effet comique, mais au-delà de ça, on ne sait pas vraiment pourquoi Margot va vers Buren. On ne sait pas vraiment pourquoi Buren a besoin de Margot et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant que Margot arrive dans la vie de Buren, parce qu'il, voilà, il a l'air d'avoir un sacré bagage derrière lui. C'est un petit peu ce qui manque au film, voilà, c'est d'avoir des personnages qui soient creusés. Et pourtant, il y a des idées. Cartier, par exemple, nous explique qu'à un moment, il a rencontré Buren à l'âge de 15 ans parce qu'il a buté son frère qui était un connard. Et ben ça, c'est une super idée, ça, c'est vachement bien. Et c'est des petites idées comme ça, de la part de Loubert et Schulman, qu'on ressent tout au long du film. C'est-à-dire que leur scénario, on sent qu'ils ont voulu étoffer des personnages, on sent qu'ils ont voulu leur amener du caractère. Et on sent derrière que voilà, ils n'ont pas eu totalement la liberté possible de pouvoir s'exprimer de ce point de vue-là, mais qu'il y a une base en tout cas qui est mise en place. Et ça, c'est plutôt intelligent. Après, au-delà de ça, ce qui est assez fin, c'est, on va dire, le jeu avec le film de polar. C'est-à-dire que vraiment, c'est ancré dans un cinéma de polar très 80s, 90s. C'est-à-dire dans le sens où l'histoire est simple et l'intérêt surtout de construire les personnages autour de ça, de construire des rapports entre les personnages. Et là, ça marche vraiment bien parce que résultat, on voit des références comme 48 heures, comme L'Arme Fatale, comme Showtime. Enfin voilà, là, on voit un panel de références absolument monstrueux et ça marche vraiment bien dans le genre buddy movie, dans le genre cops buddy movie, ça marche vraiment bien et c'est plutôt cool. Au niveau de la mise en scène, alors Benjamin Rocher, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir surtout réalisé un des deux volets du diptyque Goal of the Dead, qui était vraiment fun et fandard, là, pour le coup. Et on est un petit peu dans cette même veine-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'ancrer le film dans un genre précis et de trouver des moyens de le décaler, de trouver des moyens de le faire ressortir et de
faire en sorte que le spectateur soit vraiment en extase devant ce genre de film. Et là, pour le coup, ça marche vraiment bien de la part de Benjamin Brochet, qui a un esthétisme absolument fou. Il a un graphisme, ce réalisateur, c'est dingue. Ça se ressent du début à la fin du film. Il a une manière de construire ses cadres qui sont typiques des réalisateurs de cinéma de genre français, quoi. C'est-à-dire, les cadres, ils sont ultra chiadés au niveau de la lumière. Les plans sont vraiment travaillés dans le sens où le mouvement va vraiment apporter quelque chose, ou quand il faut fixer la caméra, elle reste fixe. Ça, c'est super intelligent. Il suffit de penser à une baston qu'il y a dans le garage à un moment, entre Cartier et un des méchants. Et ben putain, la caméra reste fixe pendant plusieurs secondes et ça permet à la chorégraphie de se mettre en place. Et ça, c'est dingue parce que résultat, ça nous fait construire un plan où voilà, il y a un travail derrière, c'est pas juste un montage super cut comme on peut le voir dans beaucoup de films d'action français aujourd'hui. C'est un film qui est travaillé, qui est intelligent dans sa mise en scène. Et ouais, la lumière, elle est superbe dans ce film. Pareil, cette séquence-là dans le garage, à un moment, on va voir Cartier en train de fouiller des papiers sur un bureau. Il y a une lumière rouge en arrière, puis il y a une lumière verte d'un côté. C'est dingue, la lumière, elle est superbe dans ce film. Les séquences en extérieur, notamment celle dans la forêt au début du film, c'est dingue, elle est dingue cette lumière, elle est super bien travaillée, enfin voilà. Rocher, c'est un super metteur en scène, et là pour le coup avec ce film, il met en place quelque chose de graphiquement sublime, qui sert le film et qui sert le genre qu'il essaye d'invoquer dans le long métrage, et ça marche vraiment bien, ça marche vraiment vraiment bien. Au niveau du casting, alors le casting est composé d'un panel d'acteurs absolument dingue, il y a quasiment aucune fausse note dans ce film au niveau du casting. C'est fou, que ce soit les rôles principaux comme Jean Reno, comme Alban Lenoir, enfin voilà, tous ces acteurs-là sont bons. Forcément, on retient donc Jean Reno et Alban Lenoir, on retient Caterina Murino, on retient aussi tous les acteurs secondaires qui sont Thierry Neuvik, Stéphie Selma, Oumar Dio, Jean Toussaint Bernard, Sébastien Lalanne, Stéphane Scardigo, ben voilà, tous ces acteurs-là, ils sont vraiment bons. Mais forcément, on n'en retient que deux. Jean Reno, qui est utilisé à merveille dans ce film, dans le rôle de Buren. Il est utilisé à merveille, il est parfait du début à la fin, il est juste fou, ça marche vraiment bien. Mais celui qui ressort plus, c'est Alban Lenoir. Alban Lenoir, c'est l'acteur fétiche de Benjamin Rocher. Et là, pour le coup, encore une fois, il est sublime. Cet acteur-là, il est dingue, cet acteur-là, c'est le futur du cinéma français. Il va ramasser mais un paquet de Césars, et si c'est pas le cas, en tout cas, il deviendra un acteur culte pour une génération de cinéphiles français, parce qu'il est génial cet acteur-là, et il fait des paris en tant qu'acteur qui sont juste fous. Donc voilà, Anti-Gang, c'est un bon film de genre, un bon film de flic, un bon film décomplexé, qu'il est fun de voir entre potes, et qui fait du bien pour le cinéma français. Voilà, c'est fun, c'est esthétique, c'est peut-être simpliste au niveau de sa manière d'être conçu en matière de dramaturgie et en matière de narration, mais voilà, ça marche, c'est fun, on se marre bien, les acteurs sont bons, la mise en scène est cool. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Anti-Gang de Benjamin Rocher, foncez-y. Ça vaut largement le coup, c'est fun, c'est bien bien fun. Petit clin d'œil à Benjamin Ganteil, un pote de ma promo qui est au générique de ce film. Voilà, c'était la petite surprise lorsque j'ai vu le générique. Voilà, c'est assistant monteur SFX. C'est plutôt cool de le voir au générique. Donc voilà, Benjamin, t'as fait ton boulot, c'est vachement cool. À plus!